Salut tout le monde, c'est Zayuto et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4 Remake. Et aujourd'hui on se retrouve en hardcore, donc on y va, hein. Sans plus attendre, enfin je vous ai déjà fait 3 tours comme ça. Donc voilà. Et nous en étions au boss que j'ai pas réussi à vaincre hier, j'aurais tellement aimé l'avoir le vaincre hier. J'espère que je l'aurai aujourd'hui par contre, hein, parce que si on passe tout le live, il va essayer de le battre. Par contre là ça va m'énerver et ça va me déprimer là, enfin me déprimer. Ça m'a fait que je quitte le jeu, donc bon, je vous montre l'inventaire, même si ça ne sert pas à grand chose, parce que tant qu'on n'aura pas vaincu le boss, ça ne servira à rien de vous montrer l'inventaire. Donc voilà. Je laisse l'espace exprès, parce que quand je quitte pas une minute, tout le c'est quand même comme une... On va passer, parce qu'on l'a vu 36 fois hier. En fait, mon erreur, c'est que, à certains moments, il faut que j'évite de viser comme ça, là. C'est que j'esquive pas suffisamment en fait ce qui fait. Voilà, par exemple ici j'aurais dû esquiver, j'ai pas fait. Comme un gros abruti. En fait pour l'instant j'esquive pas parce que je me dis c'est pas forcément nécessaire, donc voilà. Par contre quand je tombe en route j'attends vraiment que je fasse très bien. Je pense que l'erreur venait de moi, ça venait pas. Comme je suis en hardcore en plus, voilà quoi. Je pense que. Évidemment les esquives sont plus mondiales en hardcore. Peut-être qu'en normal ou en facile, les esquives sont pas forcément si plus mondiales que ça, mais. Où est-ce qu'il est là? Tu crois que tu vas m'avaler? Hein? Oula! On touche pas mal là. Non mais là par exemple, ce genre de truc, il faut que j'esquive. Merde! Le bateau pourra pas encaisser un mec comme ça. Voilà. Et c'est maintenant. Je dois faire très attention. Mais putain! Mais je suis con! Oh! Quoi que ça allait être fini! Bon, je sais pas combien d'arcs il faut lui mettre dans la gueule. Enfin, dans la gueule. Oh! Pour une fois, j'étais sur le côté quand tu as fait conso. Pour une fois, j'étais pas dessus. Moi je fais... C'est où? Putain, où il est? Où est-ce que t'es? Là. Oula. C'est pas stylé. Allez, c'est reparti. C'est un obstacle. Putain, je le rate. Oh merde! Donc j'arrive pas à le toucher. Putain. Mais non, mais j'ai été sur le côté, enfin! Ça, c'est pas logique, je suis désolé. Non mais je suis désolé, excusez-moi, mais ça c'est pas logique. Je suis parti sur le côté, j'aurais dû l'esquiver là, c'est pas normal ça, hein. Ça. Le fait que j'ai pas esquivé là, c'est pas normal, hein, je vous le dis. Hein. C'est juste pas normal que je l'ai pas esquivé là. Hein. Parce que là j'aurais dû l'esquiver normalement. Hein. J'espère que c'est pas beaucoup plus long que ça, hein, parce que là... Attendez, si le combat est trop long, je vais pas y arriver, je vous le dis tout de suite moi. Et au pire après, si le combat est trop long et que... Sur tout ce live, je ne peux pas le vaincre. Oh mince, pas fait. Putain, j'arrête pas de le rater.
Là j'ai esquivé pendant qu'on me sautait dessus là. J'ai l'impression que quand on charge le harpon, les esquives sont moins efficaces en fait. Poussé par l'obstacle. Je vais plus esquiver. Après, il est où? Il est où ce fumier? Le problème qu'il y a, c'est que s'il faut l'esquiver. Ouais, mais attendez, là on est fixe, donc je pense que théoriquement on peut pas esquiver. Là. Là. Où est-ce que tu es? T'es où? Merde! Remarquez, c'est pas une si mauvaise chose de faire ça, parce que je pense que ça aide. Je pense qu'à un moment, ça aide quand même à le vaincre. D'avoir expliqué eux, là. Oh putain. Merde, un peu. Putain, je le rate. Putain, mais j'arrive pas à le rater. Oh, putain! C'est pas vrai! Non! Quel con! Mais putain! Mais en fait. Merde! Le bateau ne pourra pas encaisser un coup comme ça. Mais d'où? Mais d'où? Enfin! Oh! Oh, mais il est dur! Moi, j'espère vraiment qu'on va pas passer tout le live à faire ce boss. J'espère vraiment qu'on pourra avancer. Parce que là, si on reste sur ce boss pendant tout le live, je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais déprimer. Enfin, déprimer. J'exagère un peu, mais le truc qu'il y a, c'est que ça va tellement m'énerver que je risque de rage quitter le jeu. Et le problème qu'il y a, c'est que il risque de plus avoir de live sur ce jeu tant que j'aurai pas réussi. Ou alors, on fera plein de live à la suite sur ce boss, mais ça va franchement pas être intéressant. Donc je pense qu'à un moment, j'envisagerai le fait de le faire en off. Peut-être, à la limite, je le capturerai peut-être. Le crayon off, mais c'est tout, quoi. Putain, j'ai... Hey, franchement, j'ai bien touché. Hein. Oh non, j'ai raté, là. Et là, sur le début, là, j'ai pas mal touché, hein. Je sais pas combien de fois il faut le toucher, mais... Ah, il est où? Je crois que je ne comprends pas un truc, c'est que quand il y a écrit « aller à gauche ou à droite », c'est là que tu peux esquiver, en fait. Tu crois que tu dois m'avaler, hein? Merde. Mais non! C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça permet de faire ça. Et j'espère en tout cas que ça l'affaiblit. Merde, je vais couler si ça continue. Oh
Oh, j'ai été de l'autre côté. Et merde, je rate. Vas-y. Non, esquive-moi cette... Putain. Heureusement, c'est le seul boss qui s'affronte sans notre inventaire. Heureusement. Pour le reste, attendez. Je sors. C'est quel con. Alors qu'il y a le harpon. Où est-ce qu'il est? Il est où? Où est-ce que t'es? J'ai des petites vagues. Là. Ah, mais c'est ça en fait. À tous les pas, il faut que je lâche. Oh putain, heureusement qu'il est passé par, il est passé par dessus. Hein. Parce qu'en fait, il a un weapon tellement près de moi quand. Il a fait passer par dessus, donc du coup, j'ai pas eu à l'esquiver. Putain, j'ai même plus à toucher. Oula. Attendez. Mais j'ai esquivé! Attendez, excusez-moi! Oh, j'ai touché. Oh, j'ai touché là. Oh non, putain. Oh, je veux pas te toucher. Mais putain, trop. Mais... Il est impossible à toucher ou quoi quand tu... Allez. Ah non, quoi que, attendez, on peut peut-être mettre le... Mais quoi? Mais je l'avais réussi le QTE! Mais c'est pas là. Mais moi j'ai envie de vous dire. Attendez. Attendez, excusez-moi, mais moi j'ai envie de vous dire. C'est pas la peine de mettre un QTE si c'est pour que même en le réussissant, ça soit pas suffisant. Ça sert à rien de mettre le QTE, autant faire perdre le joueur. Ne mettez pas un QTE si c'est pour que même en le réussissant, on meurt quand même. Ça sert à rien. Non mais c'est complètement con. Non mais là je suis désolé, attendez. Ça c'était le gros choix, le QTE de l'inutile là, je suis désolé un moment. Je sais pas combien il faut en mettre. Oh non, j'ai dû le toucher là. Pas très logique ça. Moi ce genre de boss, franchement j'avoue que j'aime pas trop. Pourquoi j'aime pas trop ce genre de boss? Tout simplement parce que... Comment dire? Parce que tout simplement... Les points de vie du boss augmentent en fonction de la difficulté. Tu crois que tu vas m'avaler, hein? Ce qui est pas illogique en soi, mais... Oh, je l'ai touché. C'est bien, c'est vrai. Oh, j'ai esquivé. Oh putain, alors là, vraiment... J'ai même pas fait exprès d'ailleurs d'esquiver. Faut tout dire. Oh, ça va. Oh, j'ai encore esquivé. C'est cool. Combien de harpons faut le mettre dans la gueule là? Mais quoi? Qu'est-ce qui m'a touché là?
Alors, il y avait un obstacle, mais normalement j'aurais dû passer à côté, j'aurais pas dû me le prendre, hein, je suis désolé. Non mais à un moment faut arrêter les conneries, je veux dire. Franchement l'obstacle, jamais j'aurais dû me le prendre là. Oh là. Oh putain. Oh putain, il est où? Ouais, il est où là? Il est là. Quoique je devrais lâcher mes harpons. On va préparer l'esquive, je pense. Là. Oh. Oh. Mais attendez, mais c'est qu'à chaque fois il me saute dessus quand il y a un obstacle pas loin. Ça fait que du coup ça nous donne un indice de quelle direction faut prendre pour les suivre. Voilà, je l'ai raté. Oh, encore raté. Merde, il y a un obstacle là. Ouh là là. Mais je l'ai esquivé là! Mais attendez, je l'avais esquivé juste avant! Bon là, j'ai pas esquivé, mais le précédent, je l'avais esquivé, je suis désolé! Comment il a pu me toucher? Mais attendez, oh! C'est pas possible ça, putain! Ça, franchement, quand il y a des boss comme ça, qui s'affrontent dans une phase où le joueur n'a pas son inventaire ni rien. Mais attendez, excusez-moi, quoi. Ça, c'est le genre de boss, honnêtement, qui me donne pas envie de refaire le jeu, quoi. Je suis désolé. Sérieusement, là, je le fais en hardcore. Mais j'ai envie de dire que si je veux le refaire en professionnel, le souci qui se pose, c'est que j'ai jamais avoir envie de le refaire en professionnel. Surtout si ce boss-là voit sa difficulté augmenter en professionnel, ce qui n'est pas illogique, mais franchement, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est le genre de truc qui donne pas envie de le finir à 100%, quoi. Parce que déjà que RE8, je l'ai déjà dit dans une moult vidéo. D'ailleurs, salut YouTube, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire bonjour à vous, YouTube. Oh, je l'ai touché là. Mais non, je l'ai pas touché. Quel con. Mais tout à l'heure, quand j'ai fait le QTE, c'est... Moi, je trouve ça juste illogique. Franchement, c'est pas logique de mettre un QTE à un endroit. Oula. De mettre un QTE à un moment. Si t'es obligé de te faire avoir, si même en le réussissant, tu te fais... T'es mort quand même, en fait, ça sert à rien. Mais pas de QTE dans ce cas, mais... Il dit aux joueurs qu'il est mort. Oh non, mais sérieux! Comment je peux me faire pour un autre cas pareil? Putain. Non mais voilà quoi. Ouais, je vous disais, sur RE8 Village, à l'usine, il y a le boss Heisenberg. Il s'avère que Heisenberg, en fait, c'est un boss, mais franchement, c'est le pire boss du jeu, je suis désolé. Mais c'est le pire boss. J'ai réussi à le faire en hardcore. Et quand j'ai fait... Oh non, mais sérieux, il arrivait à imposer de moi. Putain. Là, je pouvais pas y faire grand-chose, quoi. Il est arrivé à l'opposer de moi, attendez.
Non mais voilà quoi. Putain, je bouge pas là. Putain, mais sérieux? Pardon. Pardon, pardon. Putain, sérieux? Non mais... Ça, c'est le genre de truc, non mais... Moi, j'espère encore une fois qu'on passera pas tout le live sur ce boss. J'espère vraiment qu'on passera pas tout le live sur ce boss. Vous allez me dire, après, t'aurais dû mettre en normal. Effectivement, j'aurais dû le faire en normal. Ça, c'est... Là, effectivement, j'ai fait une erreur en voulant mettre en hardcore. Mais maintenant, vu où on en est, je vais pas revenir en arrière, quoi. Je vais pas remettre en normal maintenant, quoi. Donc, voilà. Clairement, c'est pas une bonne idée de mettre en normal, pour mettre en normal maintenant. Je vais pas recommencer le jeu en normal alors qu'on a commencé en hardcore. Mais non, j'aurais dû toucher là. Non mais les boss comme ça, où le joueur a peu de possibilités. Encore là, il y en a un peu plus quand même des possibilités, ce truc-là. Parce que Heisenberg, en difficulté village des ombres, il est juste horrible en fait. Non mais voilà, il m'a fait rage quitte le jeu, clairement. Faut dire. Parce que le jeu en village des ombres, je vais vous dire, putain, sérieux! Le tout cas, c'est qu'il a sauté tellement vite que j'ai même pas pu l'anticiper, quoi. Tellement vite que j'étais obligé de me faire avoir, en fait. Donc voilà. Non, c'est vrai en plus. Putain, mais j'arrive pas à toucher, hein. C'est dingue, hein, j'arrive pas à toucher, hein. Putain, j'arrive pas à toucher. Franchement... Mais où est-ce qu'il est ce con? Là. Merde, ne touche pas. Où est-ce que t'es? Mais où il est? Il est là. Après. Oh, j'ai esquivé, j'ai pu l'esquiver, attends, attends. Oh, je l'ai eu à la queue, j'ai touché à la queue. Oh non, je le rate là. Mais putain! Mais. Ah, drop pas. Ça, c'est top 7, j'ai esquivé, mais avec de la chance. Comment du bol, parce que là, il était pratiquement pas visible. Oh putain, j'ai réussi à l'esquiver, là, c'est... Quoi? J'ai gagné des PD tasses? Pourquoi j'ai gagné des PD tasses, là? Je fais quelque chose, moi je comprends pas. Oula, là c'est chaud, mesdames et messieurs. Je crois qu'on est avancé. Je crois que là on est dans le combat. Là, je crois qu'on a jamais été aussi loin dans ce combat. Je crois. Oh, je l'ai pas touché. Et putain!
j'ai pas compris pourquoi j'ai obtenu des tasses. Putain, ça pousse pas. Merde! Ah, ça y est! On l'a eu! Ça y est, mesdames et messieurs! Oh putain! Bon, on se coupe le micro le temps de la cinématique. Oh pardon, excusez-moi mesdames et messieurs, j'ai... attendez, comment ça, charger une partie, what? Ah, suivant. Bah évidemment, on va te garder. Faut pas être con non plus, on va pas... Allez, on va te garder, là. Ah, bon, je suis bien content. On a réussi à le vaincre. Normalement, il n'y a plus de boss comme ça dans ce jeu. Bon. Non, on va peut-être pas retourner une deuxième fois quand même. Suivant. Chou, qu'est-ce que je suis content, on l'a réussi à le vaincre. Eh ben dis donc. Tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. À l'aube, tu rejoindras toi aussi notre culte. Tu profiteras de ma sainte bénédiction pour toujours. Voilà, pour tout le monde. Ah, il y a une égale, je me tais. Condor 1 à Perchois. Tu me reçois? Condor 1? Ça fait 3 heures que je suis sans nouvelles. Tout va bien? Ça se reproduira plus. Et l'église? Je cherche toujours la clé dont j'ai besoin. Reçu. Contente que t'ailles bien. Terminé. Bon, alors retournez. Ah bah, il n'y a rien du tout, en fait, ici. Alors, à noter que dans l'original, Léon, il fait... Hein? Une casquette? Carte mise à jour? Et ça fait un document. Comment ça, carte mise à jour? Attendez. Oh là, il n'y a pas de trésor pendant un petit moment, là. Il n'y a ni trésor, ni marchand, rien. Il y a un autre bateau de l'autre côté. Et non, attendez. Clé de l'église. Mais non. Bon, on verra bien. Ouais, donc, il le fait dans une petite maison qu'il trouve non loin, en fait, du bord dans lequel il va quand il a fini le combat contre le monstre. Ouais, ce que je voulais dire sur R8, là. Ouais, tout à l'heure, je disais... Donc, c'était le chapeau, enfin, la casquette. Attends, c'est par là qu'il fallait que j'aille? Non, c'est par là qu'on vient. Attendez, je sais plus, là. Non, ça c'est par là qu'on vient, après, t'es con. C'est de côté, je pense. Oui, donc j'étais en train de vous dire, dans Hero 8 Village, je les rachquitte. J'avais commencé en vidéo à le faire en Village des Ombres, le jeu. Bien sûr que j'avais utilisé des armes infinies, je vais pas vous cacher, hein. Évidemment que j'avais utilisé des armes infinies. Non, parce que moi, faire le jeu sans armes infinies, c'est peut-être un peu trop dur pour moi. Et il s'avère que, en raison du combat contre Heisenberg vers la fin du jeu, ben, j'ai rachquitte, hein. Je l'ai rachquitte, le jeu, parce que... Ben voilà quoi, j'ai fait peut-être une bonne centaine de tentatives, mais impossible, hein. Impossible de le vaincre. Hein. Je rappelle que le combat d'Heisenberg dans Hero 8 Village, c'est un combat, on est sur une espèce de char d'assaut, et on combat Heisenberg qui lui-même, je crois, il est transformé en char d'assaut, enfin je sais plus exactement,
Et enfin voilà. Et le truc qu'il y a, une herbe rouge, ah, pas mal. Ah ouais, en fait, l'inventaire, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir pendant le combat de boss. Voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, on a obtenu les pesetas, bon, probablement parce qu'on était en fin de combat contre le monstre, et voilà, étant donné qu'on n'allait pas pouvoir obtenir d'argent pour la victoire, enfin, qu'on n'allait pas pouvoir récupérer de l'argent, qu'on n'allait pas pouvoir looter sur lui, je pense que c'est pour ça qu'ils ont donné des pesetas. Mais attendez, mais en fait, on voit rien du tout dehors, là. Ouais, et donc le boss Heisenberg, honnêtement, comme je l'ai dit, je l'ai rage-quitte. C'était trop dur pour moi. En Village des Ombres, il était trop difficile. Clairement, il était juste trop difficile à faire en Village des Ombres. Il était pratiquement... Non, mais il est impossible à faire, quoi. Pourtant, j'ai vu des gens qui ont fait le... qui l'ont fait en difficulté Village des Ombres, qui est la difficulté la plus élevée. Mais c'est horrible. Honnêtement, il est horrible. Enfin, en Village des Ombres, c'était presque impossible. Du coup, j'ai pas pu finir le jeu à 100%. J'aurais voulu, mais voilà. En plus, le mode mercenaire derrière, honnêtement, je trouve pas terrible. Bon, franchement, voilà, quoi. C'est pas pour ça que j'ai pas fait le DLC de Rosemary, hein, parce que dans le jeu, à un moment, on peut jouer Rosemary plusieurs années après. Enfin, une fois que Rosemary est adulte, quoi, en fait. Ou elle est adolescente, je sais pas si elle est adolescente ou adulte. Mais en tout cas, voilà. Ça se passe après l'épilogue à la fin, quand on voit Rosemary bien énervée, voilà. Oh là là, je suis complètement paumé. Je sais même pas, ça se trouve, j'ai loupé des trucs. Mais en même temps, comment voulez-vous faire quand vous voyez rien comme ça? Ah ouais, non mais franchement. Bon, je pense pas qu'ils aient mis grand chose non plus, parce que. Tenez qu'on voit rien justement. Voilà quoi. On va peut-être pousser un peu la luminosité, remarquez. Oh là, c'est une petite grotte où il est. Moi, ce genre de choses. J'ai un tout petit poil claustro, hein. C'est pas claustrophobe en soi, attention, mais... Oh, le début de cette créature. C'est pour nous introniser les... Attention, et oui, parce que là... Parce que là, je suis con de garder le flingue, en fait. Bon, on va... Je pense que... Bon, je crois que... Ah, mais non, mais... Une grenade aveuglante, normalement, il est suffisant pour le détruire, ouais, mais avec un seul ennemi comme ça, on va peut-être pas se le faire. Ouais. Merde. Quoi? Ok. Ok, d'accord. Oui, ce n'est pas grave, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Normalement, on peut les tuer d'un seul coup avec la grenade aveuglante, sauf que j'en ai qu'une seule, c'est ça le problème. Si j'en ai plusieurs, j'en ai utilisé une, mais là, j'en ai pas plusieurs. J'en ai qu'une, il vaut mieux que je m'en serve quand il y a trop de monde, voilà. Ça vaut mieux. Là, le boss contre le gros monstre là qu'on a fait dans le lac. Très clairement. Mais là, quand même, bien, il est quand même plus simple que Heisenberg. Parce que Heisenberg, voilà, quoi, je veux dire. Voilà, là, on peut quand même bien bouger. Là, sur celui-là, on peut bouger, on peut bien esquiver. Enfin, voilà. On joue suffisamment bien, on peut y arriver. Alors que Heisenberg, c'était au poil de cul près, quoi, en fait. Et ça, c'est juste pas possible, quoi. Ce qui le rendait vraiment trop difficile, voire limite impossible. C'était trop au millimètre près, quoi. Ah merde, j'ai pas le... Eh oui, on n'a pas été une seule de sauvegarde. On n'a pas pu. Putain. Mais quoi? Oh là là, il me tue trop vite. Non, mais j'ai la balance, c'est la grenade. Je crois que la gonade flash, on va la balancer, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si je peux pas le tuer autrement, on n'aura pas le choix. Sauf que là, je me rends compte que là, dans la version originale, en prenant quelques munitions de shotgun, c'était bon, mais là, j'ai l'impression que c'est pas aussi simple, en fait. Je vais s'équiper tout de suite du shotgun. J'ai l'impression que c'est vraiment pas aussi simple, en fait, là. Donc, j'ai bien peur qu'on ait un problème. Oh.
Ah, c'est bon. C'est bon. Bon dramatique, c'est trop. Attends. Mais je l'ai touché! Comment il a pu même pas se faire toucher cet ennemi? Oh, il y en a un autre. Oh putain, ouais, non, attends, ils sont deux. Bon, attendez, ce que je vais faire à la limite. Ouais, non. Ce que je vais faire, c'est que je crois que celui-ci. Attendez, oh là là. Faut que je fasse popper son. Oh, faut que je fasse transformer le deuxième, mais ça va être compliqué. Attendez, de transformer le deuxième sans que le premier. Histoire de balancer une grenade aveuglante, quoi. Oh là là, ça va être compliqué. Hein. Oh. Oh putain, non mais là. Oh putain, non mais là, là. Non, franchement là. Il a fait. Attendez, parce que là, du coup, je vais reculer. Il est deuxième. Là. Attendez, on va le faire reculer un peu. C'est bon, on a eu super. Normalement, les premiers donnent. Merde, dépêche-toi, Léon, dépêche-toi. Mais je tire dessus, enfin. Oh. Voilà, je suis dans le rouge. C'est pas grave, on a plein de soins. Allez, j'utilise une vipère. On va pas me grand demander. Là, par contre, jouer le seum, si le marchand redemande des vipères, normalement, non, il ne veut pas. Parce que quand même très con qu'il en redemande. Merde. Ah ouais, non, il n'y a même pas de trésor. C'est dingue. Il n'y a pas du tout de trésor. Eh ben, dis donc. Hooper reproche dans ce genre de jeu qu'on ne peut pas choisir quand allumer ou éteindre la lampe. C'est quoi cette histoire? Moi, honnêtement, je m'en fous un peu. Hein. Attendez. On dirait une sorte de sanctuaire. Attendez, c'est quoi cette grotte? Le même symbole qu'elle dit. C'est ça, c'est pas clair. Ok. Ah d'accord, il faut y poser des trucs dessus. D'accord. En fait, faut poser des trucs sur les mains. Faut poser quelque chose en fait sur les mains. Et une fois que les... qui a été posé sur les mains est posé, ça devrait débloquer tout. Carte mise à jour. On est ici. Il y a indiqué sur la peinture. Dans la peinture. Ah ouais, du coup, ah, il va falloir reprendre un bateau. Il va falloir reprendre un bateau pour aller là. Et là, il y aura un trésor. Ça fait longtemps. Par contre, il n'y a pas de marchand avant longtemps, j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire tout ça? Je pense qu'on devrait faire tout ça et ensuite on devrait reprendre ce bateau-là pour se rendre vers là où il y a le marchand précédent, là. Je pense que ça va être ça. Donc là, on a du boulot, là, mesdames et messieurs. Je sais pas où on arrivera aujourd'hui, mais... Clé des petits hôtels. Oh! Attendez! Partout il y avait des hôtels fermés pour les ouvrir, à moins que ce soit une clé à usage unique. Par contre, si c'est une clé à usage unique, on a un truc dessus là. Et là, il y a un objectif du marchand. Chasse à l'œuf. Qu'on aille me chercher un œuf de poule dorée. Qu'est-ce que j'ai à en faire? Eh bien, il y a parfois des choses qui vaut mieux ne pas savoir, n'est-ce pas? Vendre un œuf de poule dorée, ils en demandent qu'un. Oh putain! Là, par contre, c'est un petit peu dans la chance, hein. Pour en trouver un. Ça veut dire que si je trouve un œuf de poule dorée, il ne faudra absolument pas que j'utilise. Il y avait un serpent, non? J'ai cru en entendre un. J'ai cru entendre un serpent, là. Non? Vous n'avez pas? Non, visiblement, il n'y en a pas. Bon. Attends, est-ce qu'il y a des poissons, là, qu'on pourrait avoir? On va prendre le flingue, c'est pas forcément nécessaire de garder le shotgun là. Voilà. Pour une fois, on n'est pas trop mal, niveau inventaire. En même temps, on a tellement de soins maintenant.
Alors attendez, parce que je pourrais revenir en arrière, mais là, dans l'immédiat, ça servira à rien, donc... Enfin si, je pourrais ouvrir comme ça les hôtels, impossible à ouvrir avant. Comme ceci. Ah non, c'est un piédestal, mince. Ce qu'il faudrait, comme ceci. Comme ceci là-bas. Mais de toute façon, on y retournera plus tard, donc j'ai envie de vous dire... Attendez, on peut utiliser le harpon? Oh non, il va y avoir des ennemis. Ok, on gagne. Attendez, attendez, attendez. Je vois un truc. Ok. Attendez, mais c'est là où il y a le marchand? Non? Mais... C'est-à-dire qu'on est parti du mauvais côté, non? Attendez. Oula. Vraiment, la barre de vie du bateau n'y est pas. À mon avis, c'est pour viser des trucs dans l'eau. À noter que dans l'original, on ne pouvait pas... Dans l'original, c'était juste un... On pouvait pas être... Une fois que le boss était passé, les harpons n'étaient pas utilisables. Donc voilà. Attendez, ici. On se pose ici. Quoi, c'est fermé? Ah, ça veut dire qu'on pourra... On arrivera d'un autre côté. Ok. Ah oui, mais attendez, parce que là, attendez, je suis complètement perdu, là. Le bat... Ah oui, mais après, on peut sortir par là. Attendez, 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 parce que là, ils sont en train de me dire... Non, attendez, visiblement, on reviendra de l'autre côté, donc je pense que... À un moment, on serait amené de toute façon à reprendre ce bateau, là, je pense. Quoi, les ennemis, là? Une spinelle! Mais c'est bizarre de trouver des spinelles comme ça, parce que si le marchand... Oh putain. Oh non, il se transforme, putain. Oh non! C'est que bon, hein. Bon, on va devoir se soigner, on n'a pas le choix. Ça va. Non, attendez, je dis ça va, mais non, pas tout à fait. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Ça va, on s'en est bien sorti. Ouh. J'avoue que j'ai eu un peu peur, là. Oh, une grenade aveuglante, parfait. Oh, putain, il y a des... Oh, mais je tire dessus, enfin. Oh, non. On a transformé. Non? Si. Oh, putain, bon, attendez, on va se soigner. Allez, on va utiliser un poisson cette fois-ci. La version originale, on pouvait... Oh non, mais j'ai appuyé pourtant pour faire quitter eux. Merde, le quitter s'est enlevé... En poil, s'est enlevé une seconde trop tard. Oh là! Ces ennemis derrière, ils vont se prendre nous, là, non? Croissant plus des taxes. C'est chaud, là. Au niveau du shotgun, il me reste que 3 munitions, donc là. Oh non, il a une dynamique. Merde. Ah putain, si la trousse m'était approché, j'aurais pu les tuer avec la dynamite, les autres ennemis qu'il y avait juste avant. C'est pas grave. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour ça.
Ce n'est pas grave du tout. On l'attendait. On est parti là. Oh, il y a un trésor en plus en haut, j'ai l'impression. Ah, il y a un trésor en haut. Oh, mais attendez. En plus, il y a la porte là-bas. Attendez, on va d'abord. Ah oui, mais attendez, de toute façon, on va revenir pas. Oh là là. Heureusement, il a mal visé. Heureusement, ce monsieur a mal visé. Oh mon dieu. Oh putain, il y a une dynamite là. Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais comment il m'a touché? Mais attendez, mais comment il peut balancer ses dynamites aussi loin? Attendez, c'est pas logique là. What? Mais il les a balancés super loin là. Attendez, mais ils étaient bien trop loin. Ça va, on reprend là. Non, mais là, je suis en train de me dire, est-ce que je devrais pas? Non, mais on verra ça quand on est en armée. Est-ce que je devrais pas plutôt partir en fait? Non, peut-être pas quand même, pas tout de suite. Bah non, parce qu'à un moment on va revenir à la façon, donc autant que je fasse ça. Attendez, parce que combien. Attendez, je vais aller par là pour l'instant. Voilà, une spinelle. Ça veut dire qu'en fait, il y a d'autres objets qui ont peut-être plus de spinelles à échanger. Attendez, parce que là je me dis, s'il y en a un qui a une dynamite. Autant que je provoque la dynamite en fait. Merde, mais quel con que je suis! Quel con! Alors je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi je dis que je suis con. Oh merde. Parce que j'aurais pu me la jouer en mode. J'aurais pu me la jouer en mode infiltration. Et moi, quel con que je suis, j'ai pas pensé en fait. Attendez, on va partir de là et on va revenir. Écoutez. Merde. Attendez, c'est quoi cet endroit là? Ah mais attendez, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a en fait rien du tout ici. Enfin, rien du tout. Un cul-de-sac, je veux dire. Parce que l'autre endroit là-bas, c'était. Mais c'était obligé de le faire, l'autre endroit. Ah tiens, là, c'est tout bleu. Ah oui, parce que c'est l'eau, je suis bien... Mais je suis con. Oui, parce que là, ils ont pas pris l'espoir de... Allez, il peut monter, le lion. Oui. Là, il y a un hôtel. Ah bah, c'est là qu'on va savoir si c'est un usage unique ou pas, la clé. Bracelet splendide. Et on a toujours la clé ou pas? Oh, elle est pas usage unique, génial. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit hôtel, on va pouvoir choper ce qu'il y a dedans. C'est super. Ah, c'est juste pour ça? Bah, c'est déjà pas si mal, j'ai envie de vous dire. Franchement, j'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal, en fait. Oh, attendez, il y a un autre trésor. À mon avis, il doit être en hauteur. Attendez, quoi? Comment il est censé monter là-haut? Oh, mais c'est plus tard, je pense. Parce que plus tard on sera là-haut. Oh là là, ah oui d'accord. Mais je pense que le trésor est du coup est placé là-haut en fait. Pour l'instant je peux pas y aller. Ok, je viens de comprendre le ciboulon. Pour le boulon. Oh il est. Attendez, mais il est là le trésor en fait. Je le vois. Non mais je le vois mais je peux pas y tirer dessus en fait. Attendez, peut-être qu'il y a le sniper. Ah mais j'ai pas la lunette. Mince. Là il tomberait là forcément il tomberait ici donc pour le récupérer mince attendez on va laisser éloigner un petit peu avec saute Léon s'il te plaît merci voilà on va le chercher alors c'est quoi une alexandrite très bien. Ok, bah c'est bon. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment on va arriver là. Après tout, la carte est totalement incomplète. Là, il y a plein... Attendez, il y a plein de trucs. Là, il y a un trésor.
qui est bloqué par je ne sais quoi. Là, il y a une porte bloquée, je pense. Ah, mais là, c'est une autre partie du village, en fait. Maison du chasseur. Quoi? Bon, là, c'est une autre partie du village qu'on n'a pas encore découvert. Voilà. On découvrira sûrement par la suite. Ok, très bien. Allez, on revient maintenant. Ouais, donc pour Heisenberg, que je finisse là-dessus, parce que je vous en parle depuis tout à l'heure. En fait, cette histoire de boss Heisenberg. Attendez, ce qui repop les trucs là. Attendez. Je pilote un bateau. Mais oh putain. Là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sauvegarde manuelle pendant un petit moment là. Tout ça pour 100 balles quoi. Voilà, ça y est. Oh putain. J'ai l'impression quand même qu'il est quand même. Je pense que je risquerais de bien galérer en professionnel quand je ferai. Je ferai de l'Eligado là, c'est pas quoi. Quoi? Mais attendez là. Attendez, je suis parti trop loin, non? Attendez, je suis pas parti trop loin là. Non, au milieu, il y a deux trésors. Mais attendez, on va y aller. Attendez, parce que s'il y a deux trésors, je peux bien les récupérer quand même. On va en profiter tant qu'on est avec le bateau là. Là, attendez. Il y a un trésor qui est là. Ah, on peut se poser là. Ah, ben là, il est là. Encore une Alexandrite. Ok. Mais si pour l'instant, je n'ai aucun trésor qui peut servir de. Ah, j'ai pas regardé le bracelet si on peut servir des trucs. Que peut-être que si, le bracelet, on peut peut-être. Donc là, j'ai eu un trésor. Il y en a un autre, en fait. Peut-être qu'il est en hauteur. Il y aurait un deuxième trésor ici. Ça se trouve, il faut aller de l'autre côté en fait. Hein. Que là, je suis rentré d'un côté sur ce bateau. Peut-être qu'il y a. Attendez, on va. Je vais faire le tour, on va aller de l'autre côté, on va voir. Si je me trompe de touche, loul. Je comprends pas. Non, il semble pas qu'il y ait. Mince, alors là. Je comprends pas, il est où le deuxième trésor? Non, c'est pas ça. Je vais éviter de gaspiller mes balles quand même. Ah, une sauvegarde auto. Je suis donc pas si mal au final. Oh, mais le con pour aller là-bas, ben voilà. Ah oh, mais il est là. Oh putain mais. Le Red 9. Quoi? Alors que ce flingue est plus puissant que celui que j'ai. Ah oh, mais là je fais comment moi? Ah bah attendez. Ah oh, merde. Oh merde. Bon attendez, ce qu'on va faire. On va tout pousser. Hop. 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 Hop, et comme ça on peut reprendre le poisson. Et voilà. Mais non, le Red 9 qu'on peut trouver là, c'était l'autre trésor. Ah putain, mais oui, c'était l'autre trésor. Donc dans les trésors. Ok, donc dans les trésors, ça peut aussi bien être certains items. Attendez, je l'examine. 1,58. Ouais, attendez. C'est donc le mien. Oh là, ouais, non mais là. Je pense qu'on va le vendre, le mien. Je pense que le prochain marchand... Alors, attendez, 10, 1, 1, 4. Et lui?
Là, il a 1,50, il a quand même un demi-point de plus en puissance. Ah ouais. Rechargement. Ah mais non, il est justement, c'est bien. Justement, 0,85, 0,90, c'est bien, c'est plus rapide. Ben oui. C'est plus rapide. Précision 3. Bon, remarquez la précision, on s'en fout peut-être un petit peu, mais. Et la précision 4. Ah, il est meilleur en précision quand même, ce flingue-là. Mais bon. Celui-là, il est plus puissant quand même. Donc, je me demande si je vais pas me l'équiper tout de suite, en fait. Un pistolet puissant, le chiffre 9 est gravé en rouge sur la poignée pour éviter que l'on se trompe de munitions. Et oui, parce que ce sont ces munitions-là qu'il faut. Les 9 mm. On pourrait envoyer au coffre. Mais attendez, je vais envoyer carrément l'autre flingue au coffre, en fait. Ah ben non, quoique. Non. Comme il a des balles, autant s'en servir. Mais après, une fois que j'aurai fini avec ces balles-là, ben, je pense qu'on l'oubliera, en fait. Je pense qu'on va même nous revendre d'ailleurs en marchant. Je pense pas qu'on va se faire chier à le garder. Ok, et ben on a bien fait de venir là, remarquez. On a vraiment bien fait de venir ici. Et ça c'est bien ce côté exploration, franchement j'aime bien. Voilà. Tant qu'on y. Oh bah attendez, 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 2 secondes là. Il y a un autre petit endroit, visiblement il y a un trésor, on y va tout de suite. C'est là là? Attendez. C'est génial, par contre, il y a des petits endroits à explorer. Attendez, c'est là? C'est là? Ah oui, c'est là. Oula. Mais non, attendez. Je suis en train de revenir, là, non? Mais c'est pas là, je fais n'importe quoi! Oh là là, c'est pas ici, je me suis trompé. Pardonnez-moi. Veuillez m'excuser, ce n'est pas là. Moi, c'est pas loin de. Oh là là. Heureusement qu'il n'y a plus la jauge d'état du bateau, hein, parce que là. Et c'est l'autre côté. Je fais n'importe quoi. Attendez. Ok, on va prendre ça. On a toujours un peu d'argent. Merde, c'est loupé. Et là, il pleut. Voilà. Non, non, récupère de l'argent en fait, là. Qu'est-ce que c'est ici? Voilà, ça. Ah oui, là ça m'en a tout l'air par contre. Ça m'a tout l'air d'être ici. Ouais, c'est là. Donc il y a un trésor ici. Oh, il y a des poules, peut-être qu'il y a qu'un peu de chance. Un couteau. Oh! Mais c'est pas vrai! Bon, on va fabriquer quelque chose, j'en sais rien moi. Non, mais. Là, je sais plus quoi fabriquer, sérieusement. Oh non, j'aurais aimé pour un fois. Bon, attendez, on va finir de. Un œuf blanc. Il y a des œufs. Ah, il y a des œufs blancs là. Oh, bon attendez, ce qu'on va faire. Œuf de poule brun. Oh, bah attendez, si on l'attend un peu ici, il y en a peut-être un qui va prendre. Quoi? Il faut attaquer par une poule. Attendez, parce que là, avec tout ce bazar là. Bon attendez, ce qu'on va faire pour l'instant, on va pas utiliser le red 9 tout de suite, tant pis. Parce que là, ça me semble compliqué. Est-ce que. Attendez, parce que là. Enfin, non, non, mais là, je suis obligé, en fait. Envoyer au coffre, je suis obligé, attendez. Ah, mince. Que j'ai pas. Parce qu'il y a quand même encore. Bon, allez, je l'envoie au coffre, tant pis. J'ai pas la place, on l'envoie au coffre. Allez, hop. Un bleu de velours, comme dit Hooper. Je pense qu'ici c'est un bon endroit pour former les œufs. Est-ce qu'on va attendre un petit peu? Ouais mais non mais le problème c'est que là je suis en plein live là quand même donc au pire que j'attende ici en off mais. Parce que bon c'est pas intéressant si j'attends là ici avec vous quoi en fait. Oh en voilà un, bah voilà, bah ça y est, on n'a pas besoin d'attendre au final. Là, il va falloir que je le vende cette œuf de poule dorée du coup. On y va, on s'en va, on peut.
On peut y aller, c'est bon. On a. D'ailleurs, je sais même pas si c'était. Eh ben, très bien, on a l'œuf de poule dorée. Allez, regardez-moi ça. Il a pas la couleur dorée, mais bon. Une grande valeur peut être utilisée pour gagner une grande quantité de vie. Mais je dois le vendre pour un objectif du marchand, donc on ne pourra pas l'utiliser. Voilà, on va s'en aller. Allez, hop. Mais ici, ça c'est l'endroit pour les poules, à mon avis. Quand vous faites une partie seule dans votre coin, vous attendez ici, les poules pondront les œufs, et puis vous pourrez faire un gros. Vous pouvez en avoir plein. Bon. Donc ça, c'est fait. Ça là-bas. Sanctuaire de la petite grotte. Qu'est-ce que c'est que ça? On va d'abord finir l'endroit où on était là tout à l'heure. C'est-à-dire ici, là. Il y a un trait. Mais non, c'était pas là, attendez. C'était où? Attendez, on était où tout à l'heure? Ah, mais c'était là, en gare à bateau. Non, c'était là. Mais attendez. Il y a un chemin. Ah oui, il y avait un chemin. Ah oui, on était arrivé ici. Ah oui, mais non, mais là, maintenant, viens. Non. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Je crois que j'ai compris un truc. Clé de l'église. Qu'on a. Ah oui, on l'a vu. Non, j'ai compris. En fait, la première fois, on était arrivé ici. Donc, on a fait tout ce chemin et tout. Mais à un moment, on est arrivé là. Mais on ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il fallait le bateau. Et là, je suis en train de me rendre compte que juste en face, il y a une machine à écrire. Et... Oh là là, attendez, là. Oh là là là, attendez. Je me rends compte, en fait, qu'on est passé devant une sauvegarde. On n'a pas vu. Bon. On y va. Attendez, bon, il faut que je passe, là. Oui, on va aller en diagonale comme ça. Ça semble bien. Bon, bah, je suis bien content. On a fait plein de trucs. Bon, ce petit côté exploration, il est bien. Franchement, c'est une très bonne idée. Bravo, monsieur Capcom, d'avoir eu cette brillante idée. Attendez, je suis où, là? Oh là là, attendez, il y a un truc, là. Eh ben, on y va le faire. C'est parti. Oui, mais attendez, là. Attendez, on est déjà venu ici. Ah, mais oui! Mais c'est le tout début, avant qu'on aille affronter le boss. C'est là, il y a le marchand là-bas et tout. Et là, il y a le piédestal avec les formes, je sais pas quoi, je sais plus où. Il est où d'ailleurs, le piédestal, il est là. Malheureusement, tant qu'on n'aura pas le dernier truc, on pourra pas. Oui, donc là, non, on est en train de revenir en arrière, là, donc non. Pas aller par là. C'est pas par là. C'est plus loin. On y va. Et on a eu le sauvegarde d'auto, comme ça au moins. C'est bien, hein, je veux dire. Non, ça on l'a fait. On l'a déjà fait, donc non, pas ici. On continue. Attendez. Si vous dites... Ah ben c'est tout droit le c'est ici. Là où il y a un marchand, etc. On y va. Hein. Attendez. Attendez, attendez là. Y'a rien. On est déjà venu à ce marchand. Ah mais oui! Mais oui, bien sûr! C'est bon, je me souviens. Je me souviens. Ah mais il y a une sauvegarde néanmoins, donc je me dis, je vais peut-être faire une petite sauvegarde, un petit coup quand même. Ça va peut-être bien avant de continuer, je pense. Ah mais oui, je vous ai dit en plus! Je vous l'ai dit, bah c'était hier! Je crois que c'était hier! Pour vous sur Twitch, c'était hier. Oh non, mais même pour vous aussi sur YouTube, puisque de toute façon, les parties sont diffusées. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Bienvenue. J'ai quelque chose oh de nouveau. Ils vendent l'instruction 160 000 par contre. Hein. Extension mallette. Oui, mais on va pas s'occuper de ça tout de suite. Écoutez, on va pas. Ah, il y a des nouveautés dans l'échange. Non, ça, je l'ai eu. Mallette noire. Fait apparaître de la forager plus souvent. Ah! Lunettes longue distance.
Ah, c'est intéressant tout ça. Il y a des nouveautés ici, je m'en doutais qu'il y avait vraiment des nouveautés de toute façon. Donc, il y a un masque élégant. Enfin, d'abord que ça retire tous les trucs. Hein. Ok, on verra plus tard. On verra plus tard. Est-ce qu'on va se faire le marchand tout de suite? Non, j'ai pas envie qu'on se fasse tout de suite. Ce marchand a des nouveautés et tout, on viendra le voir plus tard. Sauf que là, je suis un peu con, j'ai un peu grillé les nouveautés en fait. On se fait une petite sauvegarde. Bah ici, hein. Voilà. Et... Ah, mais attendez. Petit hôtel. On pourrait peut-être y aller voir. Que ça se trouve là-dedans, il y a un... Est-ce qu'on va voir maintenant le petit hôtel? Sachant... Ouais, on va aller le voir maintenant. On va aller le voir maintenant, remarquez. J'ai envie de vous dire, comme ça, ce sera fait. Et puis comme ça, si jamais... Attendez, il est où déjà? Bon, il est pas très loin. En principe, il devrait rien se passer. Hein. Rien ne devrait s'enclencher puisque j'ai pas fait ce qu'il faut faire pour ça en fait. Donc théoriquement, rien ne devrait s'enclencher. Mais je vais le faire maintenant parce que comme ça au moins, comme ça ce sera fait. Ok, je me suis planté de sens. Ah, mais il est là. Lampe papillon. D'ailleurs, j'ai oublié de voir le bracelet, je suis en train de me rendre compte. Oh là là, on peut sortir. C'est quoi, précieuse? Oh! Pour les pierres précieuses carrées, c'est ça, d'accord. Il en faut deux. D'accord. Par contre, tant que j'ai pas de pierres précieuses jaunes, on va pas pour l'instant toucher à tout ça, là. J'attends d'avoir des jaunes. La pipe ancienne qui, elle... Ça c'est trois trucs qu'on vendra évidemment parce que ça sert à rien de les garder. Et ça, on les sortira, vous inquiétez pas, mais voilà. Je préfère attendre. Ouais, mais je crois que s'il faut, il y a que le marchand qui peut nous en donner des diamants jaunes là. Voilà, mais comme ça au moins on l'aura. Et puis quand on repassera là, comme ça, on n'aura pas à s'en préoccuper. Voilà. Voilà, je pense que là on est bien. Voilà. Ah oui, par contre, attendez le flingue, du coup. Ah, mais j'aurais peut-être pu améliorer mes armes avant, non? Ah! Les carreaux, attendez. On part pas trop vite. Parce que ça prend de la place pour rien. Est-ce qu'on peut poser les carreaux? Ah, on peut pas! On peut poser que les armes! Je suis en train de me dire, je pourrais presque vendre la pelote de poule d'or maintenant, comme ça au moins. Comme ça, c'est fait, quoi. Seuls les armes et les équipements d'armes peuvent être déposés, d'accord. Ah ouais, non, mais là, c'est chaud, là, par contre, attendez. Parce que j'ai envie de le revendre, moi, le SG-09. Pourquoi le Red 9? Sauf que le truc qu'il y a, c'est que j'ai des balles dedans, donc je préfère pas pour l'instant... Non, ce qu'on va faire, on va utiliser les balles qui sont dedans, et puis après, une fois qu'elles seront utilisées, là, je pense qu'on le revendra. Peut-être pas dans l'immédiat, mais... On déposera peut-être dans le coffre, mais voilà, quoi. Après, on y va. Ok, donc c'était le retour ici, ça. Donc c'est là qu'il faudra revenir ensuite, en fait. Une fois qu'on aura fait... Ah oui, mais attendez, là. Tiroir verrouillé, petit hôtel. Bah, on retournera dans des trésors. C'est quoi cet endroit, là? Je pense qu'on peut pas y aller maintenant, parce que... Là, il y a un trésor non pris. Je pense qu'on peut pas y aller maintenant. En tout cas, pas par le bateau. Non, non, ce sera plus tard. Quand je vois la map, ce sera forcément plus tard. Parce que ça me paraît bizarre quand même. Voilà. Et ça aussi, ce sera plus tard. Bon, ben voilà. Allez, on va retourner ici, là. Et c'est l'autre côté. Allez, on y va. De l'autre côté, c'est ici, je crois. Est-ce que c'était là? Oui, voilà, c'est là. Avec la fameuse porte fermée. On a une fenêtre automatique, c'est très bien. Comme ça, on n'a pas besoin. Bon, reprenons là où nous en étions tout à l'heure. On va essayer de se la jouer. Cette fois-ci, de se la jouer en mode espionnage, quoi.
Merde. Ah non, il m'a pas vu. Non, il m'a pas vu. On va pas courir parce que c'est cool. Merde, putain, ça n'a pas marché. Bon. Oh non! Non, écoutez, on va. Non, attendez, écoutez, on va recharger parce que là. J'aurais dû 29 de poules dorées, mais quel boulet! Parce que là, je l'ai sûrement pour rien en fait. Vraiment pour rien, je l'ai. Quel con, je l'ai pas vendu! Attendez, parce que. On va faire les choses dans l'ordre. Il y avait une soirée d'auto auto juste là, donc ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas. Quand je pense que Hooper ne veut jamais prendre les cartes au trésor là-dedans, alors que là, à mon avis, en prenant pas la carte au trésor, il loupe pas mal de trucs. Hein. Je pense que lui, il a plus galéré que moi, niveau argent, pour la simple raison que, bah tout simplement, il loupe énormément de trésors sans carte, parce qu'il a pas pris la, il prend pas la carte au trésor, je pense. Et là, il y a un trésor, mais ce sera plus tard que je pourrai le récupérer. Attendez, on va y aller doucement quand même. Attendez. Ah merde, là, je peux pas là. Ah putain! Je vais peut-être lui prendre la grande mallette parce que je pense que là, j'ai avoir pas mal de soucis là. Attendez. Oh, magnifique! Merde. Attends, balance-la ta dynamite. Ok, il la balance ici. Quoi, ça a pas tué son pote? Oh non! Bon, tant pis, on va se mettre aussi bien de la passer. Oh non! Ah, mais ça l'a affaibli par contre. Parce qu'il m'a fallu qu'une seule munition. Bon, on va se soigner. Non, je vais prendre plonge des œufs parce que. Allez, on va prendre plus. Voilà. Oh là là là. Vas-y, qu'il remalance la dynamite. Putain, c'est pas vrai. Ok, il s'est loupé. On va se soigner encore un peu. Attention à petiser l'œuf de poule dorée parce que là, je vais te dégoûter, là, je crois. Ouais, ici. Merde. Bah attendez, il y a un ennemi qui s'est transformé par terre. Putain, mais il me fait chier avec ses torches, lui. Oh, il brûle tout seul. Attendez, il est mort l'autre avec ses dynamites. Ah ouais. Non, il s'est tué tout seul. Ok, j'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Ah, mais je pense qu'autre a dynamite, il en a tué quelques-uns. Eh ben, merci à lui, j'ai envie de dire. Mais non, j'aurais pas dû le recharger, mon flingue. Ouais, mais non, remarquez. C'était de toute façon trop tôt pour que je puisse ne plus utiliser mon flingue, quoi.
Alors, il faudrait que je monte là. Oh putain. Attendez, on va voir la porte qui est là. Et voilà, comme ça on peut repartir là si on veut. Attendez, parce que si je vais, si je monte. Ah, si je monte, je vais pas avoir un trésor. Ouais, remarquez, après tout, autant aller chercher le trésor tout de suite, quoi. Ouais, après tout, j'ai envie de vous dire. Oh, il se brûle. Oh non! Oh mais attendez, dans le feu, ça va l'affaiblir, non? Il est brûlé. Attendez, je vais attendre un petit peu. On prend le shotgun au cas où. Oh! Le feu l'a tué! Oh, génial! Oh là là, attends, je vais prendre. Oh putain, on va tenter ça. Et putain, j'ai tiré. Et what? Mais quoi? Oh putain, j'ai pas eu. Putain. Ouais, c'est clair, il n'y a pas eu de sauvage d'auto. Ah, mais je suis con quand j'avais fait tout le truc. J'aurais dû retourner. Oh putain. Là, je vous avoue, j'ai été un peu con parce que. J'aurais dû retourner sauvegarder auprès du marchand. Quand j'avais fait toute la première partie de cette grotte là. Mais attendez, elle est ouverte ou pas la porte? Et non. Oh merde. Oh, je suis dead. Ah merde, il a pas tué ses potes. Putain. Mais putain, mais d'où il me touche comme ça? Oh merde, il m'a transformé. Encore cette chance. Bon. Allez, un petit tour. Non. Ah oh non, putain. Non, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse tirer des dynamites sur tout le monde. Regarde. Ah putain, c'est chaud. Putain, j'aurais dû sauver. Putain. Quel con, j'aurais dû aller sauvegarder une fois que la première partie de la grotte était faite. Ah putain, là j'ai été con, là, j'avoue que. Enfin, la porte ouverte, j'aurais dû aller sauvegarder. Allez, toi la dynamite, vas-y, balance la dynamite. Pourquoi ton vélo? Mais d'où il touche? Oh là là! Non mais sérieux, non mais vous. Eh ben c'est pas simple, hein. Autant vous le dire. Putain, j'ai vraiment. Non mais là c'est vraiment con. Hein. Putain, c'est vraiment con, sérieux. Hein. J'aurais dû. Attendez, est-ce que. Ah, c'est bon, la manette a fini de changer. Je vous dis ça parce qu'en fait. Là, je. Bah, vois ce qu'il y a avec la manette. Hein. Mais je vous le dis parce qu'en fait. Voilà. Je vous le dis parce que, voilà, en fait.
parce que du coup j'ai été obligé de mettre ma manette un petit peu loin de ma... Balance ta dynamite là. Et voilà. Un de moins. Quoi, ça l'a pas tué, c'est une blague. Allez, balance ta dynamite. Et putain! Putain, mais... Putain, ce qu'il faut, c'est arriver à lui faire balancer la dynamite sur ses collègues, là. Putain. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, mais il est trop lent pour déployer sa dynamite, là. Non, c'est vrai, quoi. Il est trop lent, quoi. Il est bien trop lent. Mais quoi? Mais d'où il me touche? Mais d'où? Oh là là! Vas-y, balance-la ta dynamite! Mais balance-la ta dynamite, toi! Qu'est-ce qu'il fout? Voilà, ça y est, elle est là. Et voilà, un de moins. Attendez, on va se soigner quand même. Allez, on utilise les deux devant, tu vois. Voilà. Oh! Allez, balance ta dynamite. Oh non, putain! Putain, merde! C'est bon, ça va. Allez, balance ta tête, Miami. Allez, vas-y. Mais le QTE là! Oh non, il se transforme, putain! Voilà. Par contre, il y en a d'autres qui se transforment comme ça. Bon, ça y est, on a réussi à le repasser cet endroit. Eh ben, dis donc. Ce fut laborieux, bon. Un bleu de velours, comme dirait l'autre. Là, je vais peut-être prendre des précautions, par contre. Là, on va peut-être y aller, la sauvegarder, là, chez le marchand. Non, parce que là, quand même, faut pas déconner, là. Ah, mais oui, mais attendez, il faut que je retourne là, là. Oh là là. Bon, ben, allons-y, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai encore me trompé de bouton, c'est pas possible. Et je me suis trompé. Je suis pas du tout passé par le bon endroit. Ah merde. Oh, oui.
c'est l'autre côté. Et c'est l'autre côté. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la totale, les gars. Oh, mais en plus, c'est pas loin. J'hallucine. En plus, c'est vraiment pas loin, quoi. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que dans l'original, c'est plutôt dans cet endroit-là que le marchand était. Non, c'est vrai, en plus. Le marchand était plutôt dans cet endroit-là. Il y avait la porte qui était par là. On peut partir. On va tout. Alors que là, non. Là, il y a une échelle. En fait, c'est comme si j'avais agrandi les endroits, en fait. Parce que là, il y a une échelle. Et là, c'est là, en fait. Alors que, en temps normal, ça doit être en bas, en fait. Donc, on va sauvegarder. Quand je vois le vent qu'il y a chez moi, là, en ce moment. Oh, putain. Je suis assez fou, hein. Un vent de ouf là. Bah, attendez. Ah mais. Ah putain. Attends, ce que j'ai presque envie de faire, c'est qu'une fois que j'ai fini. J'ai plus de munitions, j'ai presque envie de revenir ici pour aller chercher le 29. Allez, on y va. Dans la grue. Attendez, ah oui, c'est là que j'aime. Et voilà. Remarquez peut-être que. Ah bah, il y a une sauvage auto de toute façon. Bon, bah, comme ça au moins. Alors, là, il y a un ennemi, là, il y en aura d'autres. Donc là, honnêtement, alors qu'en haut, il y a un trésor, sauf qu'il n'y a pas en bas. Même si j'ai l'impression de toute façon qu'on sera obligé de tout faire de toute manière. Ah! Tu le fais tout seul. C'est immolé par le feu et. Hop 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 hop, ce serait là le trésor. Ah, il est là. Mais non, d'où il me touche. Yes, c'est sauté. Le velours. Attendez, attendez, on va s'en aller là. Vite. On va utiliser l'œuf de poule brun, ouais, parce que. Ouais, le reste, on va le garder pour le moment. Et regardez tout ce que ça rend. Et ça, ouais, ça rend quand même plus. L'œuf de poule doré. Ah mince, j'aurais dû. Oh putain, quel con, j'aurais dû lui vendre encore. L'œuf de poule doré, on manque ça. Est-ce que. On va changer de flingue. Mais j'ai presque envie de faire ça, en fait, de revenir pour aller chercher l'autre flingue. Et environ celui-ci. Non, parce que j'ai pas rechargé. Ouais, je vais faire ça. De toute façon, le Red 9, on le gardera. Donc, on va faire ça. Je suis pas en train de me planter là. Non, c'est bon, je suis pas en train de me planter. Au revoir, messieurs. Et c'est vraiment pas loin, hein, en plus. Hein. C'est tellement pas loin. On va pas le vendre maintenant. Hein. On décidera que quand on viendra vraiment par là, là, on va juste déposer ça et tout, et voilà. Pour prendre le Ren 9. Le chargeur a une balle de moins, mais j'ai envie de dire, le genre vaut la chandelle, puisque bah, elle est plus puissant en fait. Ce flingue est plus puissant que l'autre, donc forcément, le truc qu'il y a, c'est qu'en deux balles, vous ferez autant de munitions qu'avec trois balles de l'autre. Donc forcément, en fait, potentiellement, en matière de dégâts, en fait, ce flingue-là, comment dire, ce flingue-là, proportionnellement, peut faire 12 dégâts en total. Encore une sauvegarde d'auto. Oh, putain.
Oh non, putain. Oh, mais comment je fais, moi? Mais... Oh, lui avec le flingue, alors là, vraiment... Ah, non, mais attendez, on va se lever un peu, quand même. Et j'aurais dû lui vendre le... Putain, mais c'est... Putain, mais... Putain, toutes ces munitions. Putain! Oh là là, ils sont trop nombreux, là. Non, mais attendez, excusez-moi. Oh la vache, mais ils sont trop nombreux, hein. J'ai balancé une petite grenade, ça fait un peu le ménage, et puis voilà. On peut acheter lance-roquette et puis non, je plaisante. Non, non, j'ai pas acheté lance-roquette, certainement pas. Pas maintenant, en tout cas. Peut-être que putain dans le jeu, si un boss nous fait chier, là je prendrais le lance-roquette, mais sinon... Oh non, putain. Le headshot, il se transforme. Fumier, là. Je peux pas lui peut-être transformer, non. C'est à côté ou... Oh! Mais c'est pas possible! Oh la vache, j'avais réussi à l'avoir j'avais réussi à l'avoir au flingue hein, quand même, donc. Bon, comment je vais faire là? Parce que là, ils sont juste trop nombreux. Je sais pas. Peut-être au shotgun à la limite? Putain sérieux. Oh yo 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 yo, non mais franchement. Oh oh oh. Là je me dis avec les munitions infinies, oh que ce serait amusant. Oh bordel que ce serait un gros défoulant de ouf. Hein. Ah mais vraiment. Mais non. Ah bah ils se brûlent entre eux. Attendez, attendez, c'est ma chance là. Ouais. Putain. Oh non, putain. Putain. Je vais me faire avoir, hein. Oh là là. Putain, là, c'était vraiment une aubaine, là. Les ennemis qui se sont tués entre eux, là. Là, c'était vraiment une aubaine, là, pour le coup. Franchement... Ah mais attendez que je suis con hein. Mais attendez le sniper là, c'est là qu'il est utile. Ah mais j'ai la lunette en plus. Pour le coup là normalement je devrais pas en avoir besoin. De... Putain.
Putain, mais... Sérieux ? C'est bon. Putain de merde. Oh putain, ça y est. Non, ça y est pas. Là, ça y est. Attendez, j'ai rien oublié là. Bon, on va se soigner parce qu'on va pas rester comme ça. Allez, un poisson. Attendez, du coup, je pourrais retourner en haut. On va retourner en haut. C'est bien, ça, c'était une aubaine qu'il y en a qui se brûlent entre eux. C'est génial. Attendez. Oh non, me dites pas que je pouvais. Oh là là, une dynamite lui. Et voilà. Qu'est-ce que je peux y faire là-dessus? On n'est pas très loin, hein. On n'est pas très loin en fait du. Bon, y a un truc là. Oh putain. Oh, mais, attendez, mais on n'a rien trouvé qui expliquait l'énigme là. Oh lolo, il faut faire que c'était... Mais je comprends pas, là, en fait. Voilà. Bon, on a une énigme à faire. Allez, c'est parti. Sauf que je comprends absolument pas, en fait... Avant d'appuyer sur trois boutons. Comment ça peut correspondre? Je vais faire ça. Ça. Non. Mais je comprends pas en fait. Ah. Quoi? Je peux pas appuyer sur tout. Ah d'accord, sur certains boutons peuvent être appuyés une fois qu'on appuie. Attendez, si seulement il y avait un indice pour nous dire. Mais attendez, mais comment... Mais je comprends pas comment on est censé savoir, là, l'énigme. Attendez, je comprends pas comment on est censé savoir. Attendez... Je suis venu ici trop tôt. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible que je sois venu ici trop tôt et que du coup... Normalement, on doit trouver un indice concernant l'énigme ailleurs, mais ça, je comprends pas du tout en fait ce qu'il faut faire. Ça m'étonnerait qu'il faut appuyer. Attendez. Ça m'étonnerait qu'il faut appuyer aléatoirement comme ça sur les boutons. C'est pas possible. C'est juste pas possible en fait. Je comprends pas en fait, parce que là-dedans ils sont censés avoir quoi là, juste lui indiquer sur la peinture. Non, mais d'accord, mais ce symbole il est censé signifier quoi? Il y a 39 trésors dans le jeu.
Je comprends pas là. Merde. C'est pas possible. Bon, je pense qu'il y a un indice quelque part en fait. D'avoir un indice quelque part. Merde, alors là vraiment. Je sais. Non mais là je sais absolument pas en fait. Bon. Bah ce qu'on fera, on reviendra plus tard. Voilà, ok. Bon. Là j'ai. C'est. Enfin c'est bizarre quand même. Indiqué sur la peinture. Non mais à mon avis, il faut que je retourne ici parce qu'à mon avis, il y a un truc à examiner. Je pense qu'il y a un truc à examiner. Je n'ai pas fait attention. On y va. Tant pis, on y va. J'aurais dû examiner plus attentivement et j'ai pas fait. Bon, ça va, comme un côté de munitions, ça va. C'est pas dramatique. Là, je pense que j'aurais pu tirer là-dessus, j'ai été un peu con. Mais bon, il y en a qui sont brûlés eux-mêmes, là. Bon. C'est pas plus mal, hein. Bah, au moins, comme ça, on aura vidé l'endroit de ses ennemis, comme ça. Voilà. Donc, on va retourner à côté, du coup. On va retourner à côté. Et c'est derrière. Oui, c'est totalement en arrière, en fait. Donc, on va reculer, on va faire que ça. Ou l'autre grotte là. Ouh là là, c'est pas du tout bien. Ah bah c'est là. Je crois que c'est là. On va retourner examiner ça. Donc ça. Non, c'est pas là, ça on l'avait pris. C'est par là, ouais. Donc on va retourner examiner un peu ça. J'arrive pas à comprendre en fait. Bah non en fait. Qu'est-ce que vous voulez examiner? Parce qu'il est censé avoir deux items là. J'arrive pas à comprendre. Où y avait-il une peinture? Là. Mais là, franchement, je comprends pas en fait. Là, faut m'expliquer parce que là, je comprends pas. Très clairement. Oh. Voilà, cette énigme. Au pire, j'ai sûr que c'est une solution, mais là. Non, là, vraiment, je comprends pas l'énigme en fait. Hein. On voit des mains. En hauteur, il n'y a plus de mains. En fait, on voit des mains dans tous les sens, quoi. Donc, peut-être qu'il faut que je mette une main vers le haut, une main vers la gauche, les mains vers la droite, mais... Bon, sur le symbole. Sur la clé. Je comprends pas, hein. Je comprends pas, hein. Pour vous dire que là, je n'y comprends rien. Là, vraiment. Et pas des trucs sur la peinture, c'est une blague. Il est indiqué par la peinture. C'est une blague ou quoi? Attendez. Je comprends pas comment Léon a pu voir un lieu indiqué sur la peinture, là. Attends, pas de bloc. Ah, là! Ben, je pige pas. Hein. Autant vous dire que je ne pige absolument pas là. Donc,
On va retourner à l'énigme, hein, parce que là, je comprends pas. Là, honnêtement, c'est pas... Pour le coup, là, comme dirait Hooper, c'est pas clair. Pour le coup, si Hooper, dans son live, a dit c'est pas clair, bah, très franchement, c'est merde, je suis trompé de bouton. Je trompe de sens, c'est dans l'autre sens, c'est incroyable. Parce que là, honnêtement, je ne comprends pas l'énigme, en fait. Une petite sauvegarde auto, ça fait plaisir. Oh putain, j'avais oublié des trucs ici, quoi. Une herbe jaune, mais quoi? Il y a des items ici? Mais je ne sais même pas qu'il y a des objets ici. Voilà. Allez, on retourne. Heureusement que j'ai rejeté un œil à côté. L'endroit où j'étais pas passé. Bah ça, bah le truc, le fait qu'il y a deux gars, ça m'a attiré mon attention. Bon, bah là je comprends pas, peut-être qu'il y a une autre peinture qui peut nous aider, je sais pas. Ouais, mais attendez, mais comment voulez-vous faire? Mais attendez, ça correspond à rien! C'est pas possible! Mais ça correspond à rien! Attendez, c'est une blague ou quoi? Il y a une peinture que j'ai pas vue ou quoi? Non mais... Non, attendez, là... Ah, attendez, c'est peut-être ça. Attendez, est-ce que... Attendez. Ah là, regardez. Là, il y a ça. Mais oui, mais... Je comprends pas en fait. Attendez. Là on a un peu de... Attendez. Ça devrait donc être ça. Oui mais il faut que je trouve les... Ah attendez, il faut que je trouve les autres alors dans la grotte ça veut dire, attendez. Donc on a celui qui est plus en bas du coup. On a celui qui est le plus en bas. Oh là là. On a celui qui est le plus en bas. Ah, là. Est-ce que ça, c'en est un, ça? Ah oui, là. Il est là. Celui de gauche. Ah non, attendez, c'est celui-là, là. Attends, en bas, attendez. On a celui qui est le plus en bas, voilà, ça, voilà. Ça, on l'a. Ça. Ah, c'est même taille des deux côtés, d'accord. Même taille des deux côtés, mais alors le nôtre... Merde, non, Léon! C'est pas grave. Attendez. On va remonter parce que je pense que tout est là-haut. Bon, je pense qu'on en a deux. Il en manque un en fait. Il nous en manque un. Faut que je fasse ce troisième aléatoirement ou quoi? On a celui-là, ok. On a ça. On a celui-ci.
troisième. Ah là, attendez. Le troisième est ici. Attendez, on va descendre du coup. Il y en a une seule qui est là, ça tombe bien. Ok, le truc avec le gros truc en bas. Ouais, ok. C'est bon, je crois qu'on a les trois. On a les trois. On a les trois, donc théoriquement c'est ça. Attendez, pas ça. Et celui-là. C'est bon, on l'avait. Oh putain, ouais d'accord, fallait regarder. Ok. Tête d'apostin. D'accord. Et. Ah d'accord. Ça nous donne ça et c'est tout en fait. Ok d'accord. Attendez, j'ai presque fait une capture d'écran. Ça. Voilà. Ça l'énigme. Oh, j'ai pas du temps de vouloir. J'ai pas réussi son attaque sans le vouloir quand même. Une petite main de fond. Oh non. Mais non. Quand on voit ça, on se dit, mais d'où ils popent en fait ces ennemis. Cocktail Molotov. Oh, ça le brûle. Attendez, 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 parce que là. Là il est enflammé. Oh oui. Grâce au. Ah mais non, mais il y a un truc enflammé en haut. Bon, on va se barrer du coup maintenant. Par contre, je sais pas où on trouve le deuxième truc là. Par contre, je sais pas où on trouve le deuxième, la deuxième tête qui, à mon avis, faut la poser sur le. Enfin, le deuxième truc qu'il faut poser sur la deuxième main en fait. Parce que si on va déposer la première, ça fera rien. À moins que. Attendez, ah bah non, ça revient là donc non. Attendez, je comprends pas où il faut aller en fait. Je comprends pas bien où est-ce qu'il faut que j'aille en fait. Bah déjà, on va peut-être déposer la première tête, non? Non, parce que là, franchement, je sais pas où il faut aller sinon. Parce que tout le reste, on a tout fouillé quoi, quand il y a des trésors et compagnie. Il m'indique. Ah, quoi, c'est là qu'il faut aller? Au sanctuaire de la petite grotte. Bah allons-y alors. Allons au sanctuaire de la petite grotte. C'est parti. Voilà, ça va me faire du chemin par contre là. Oh. On va faire un certain chemin là quand même. Alors attendez, si je vais toujours, attendez. Ah oui, non, ça pourrait revenir comme ça. Ouais, mais ça pourrait revenir, mais en attendant. Oh là là. On va faire ça. Parce que je pense que c'est un peu plus simple, parce que c'est quand même une longue lumière, donc. Quoi? Attendez, c'est pas du tout par là. Si c'était par là, mais c'est moi qui me suis un petit peu gouré sur le chemin. Où est l'arrivée? Allez là. Voilà. Dans les grottes, mesdames et messieurs. Attends, il y a une longue rivière, c'est une grotte en fait. Bah dis donc. Bah dis donc, Léon, hein, ils ont fait des choses pendant ses vacances en Espagne. Non, je plaisante, ce ne sont évidemment pas des vacances en Espagne. Mais... Ah là là. Attendez, mais c'est le château ça. Faut déjà aller vers le château. C'est étonnant ça. Putain, mais ouais! Mais carrément, en fait! Faut aller vers le château! C'est incroyable, ça! Alors que le château, c'est pas du tout maintenant! Oh là, il y a encore une énigme de le même genre! Du même genre! Sauf que là, je sais pas où je vais trouver les. Cartouche fusée à pompe, ça fait plaisir.
C'est peut-être le même code, remarquez. C'est peut-être le même code que tout à l'heure. Ah non, attendez, là. Les trois petits trucs, ok. De l'autre côté, il y avait aussi une peinture ou pas, là? Il n'y a pas de peinture. Mince, me dites pas qu'il... Ah là! Une espèce de trois. Donc là, on a ça. Il y a l'espèce de 3 derrière nous. Oh. Peut-être que le troisième truc se trouve à l'intérieur. Hein. Ou alors, enfin, pied au pif. Mais non, pas pied au pif quand même. Donc, ce serait ça. Ah bah ça doit être ce genre de choses, le 3 là. Parce que là on voit pratiquement pas le truc en bas, donc ça doit être ça. Alors le troisième, on va le faire au hasard. Je sais pas où il est l'autre. Attendez, on va quand même essayer de le chercher parce que... Un espèce de 3. Donc ici, comme on l'a vu, il y a... Non, c'est pas là, c'est là. Les trois petits 3. Ah, peut-être qu'il faut trouver un autre truc qui a comme un 3, quoi. C'est peut-être ça, en fait. Ah là! Ok. Putain, et c'est quand même... Ah mais oui, mais c'est malin, ça. Mais il y en a plusieurs, des trucs où il y est. Ah oui! Comment on fait, là? En tout cas, il est... Ah bah, il est pas à côté, du coup. Attendez, parce que si là, il y a le... Attendez là. Ce qui est tout seul. Oh là là, bon attendez, on va appuyer au pif. Hein. Ouais, un peu complexe là quand même. Donc on sait que c'est l'un des trucs. Alors je pense qu'il s'agit pas de celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je le fais au pif parce que ça ira plus vite de le faire au pif que... Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah ben voilà. Attendez, j'en fais une capture d'écran. Mais qu'est-ce que je fous? N'importe quoi. Voilà. Une capture d'écran parce que l'énigme, j'ai pas envie quand même de... Pièce hexagonale. Oh, génial! On a la pièce hexagonale, super. Et voilà. Toi, la clé de l'église. Maintenant, faut retourner dans l'autre grotte. Ça se trouve, il y aura des ennemis maintenant. Franchement, c'était pas impossible qu'ils y mettent. Oh, il y a une échelle. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Parce qu'il y a rien, a priori. On a plus la dernière pièce hexagonale, ça c'est cool. Là, on peut voir ça. Des munitions de flingue, quoi. Mais non. L'autre morceau était là. Attendez, si ça se trouve, je pouvais voir le troisième mieux que ça ici, en fait. Mais non, il était là. Il était là, quel con. Ok. Bon, c'est de ma faute. Là, pour le coup, je vous avoue, c'est de ma faute. Là, c'est entièrement de ma faute, pour le coup, là. C'est entièrement de ma faute, parce que si j'avais mieux exploré l'endroit, on l'aurait trouvé avant. Après, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir réussi, quand même. Voilà, donc on va retourner au bateau, du coup, puisque je crois qu'il n'y a plus rien, maintenant. Putain, le con, bon, c'est de ma faute. Là, je vous avoue, c'est de ma faute. C'est entièrement ma faute, pour le coup, là. Là, je ne peux en vouloir à personne d'autre qu'à moi, là. Non, non, mais au moins, c'est clair. Non, non, franchement, au moins, c'est clair. Bon, maintenant, il va falloir refaire un gros passage en bateau. Oh là là. Après, c'est tout droit, quoi, donc... Ça va pas être bien compliqué, c'est... Attendez, oh là là, attendez. Attendez ici, là. Pas du tout.
Et c'est l'autre côté. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la totale, les gars. Voilà, c'est par là. Enfin, je crois que c'est là où il y a les flammes, non? Ouais, c'est pas par là. Là, par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas la carte sur le... sur le hub, en fait. Bien par là, on est d'accord. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Voilà, c'est exactement ici. Qui a éteint la lumière? Je sens qu'il y avoir des ennemis qui ont déboulé là. Quoique non, c'est un cul-de-sac, donc ça me paraît un peu compliqué quand même. Sauve demain. Et voilà, on oublie d'autres. Un signe de l'église. Et bah très bien. Ah, Unigan. Condor 1 à Perchoir. J'ai la clé de l'église. Reçu. Maintenant, va chercher Eglon. Ouais, pas de temps à perdre. J'y vais. Condor 1 terminé. Voilà. Quoi, il faut aller là? Ah bah oui, c'est l'église, ça, je suis con. Bah oui. C'est l'église. Donc du coup, il va falloir qu'on retourne ici pour revenir en arrière, en fait. On va être obligé. Pour l'instant, je pense que là, de l'autre côté, on peut pas y aller. Donc il va falloir qu'on retourne ici, là. Habitation lacustre. Enfin, je pense. Je crois pas qu'il y ait d'autres chemins. Ah, par contre, il faut d'abord revenir ici, là, parce qu'il y a un piédestal ici. Donc on va d'abord revenir là. Donc on y va, on va chercher ce qu'il y a dans le piédestal. Moi j'ai envie de dire, le fait que Léon allume sa lampe quand lui le veut et pas quand le joueur le voudrait, moi je trouve pas ça dérangeant, hein. Franchement. Hein. Ah bah c'est là qu'il fallait aller en plus. Bah oui c'est là. En plus comme on a le dernier truc, bon c'est parfait, allons-y. Bah, attends les piédestals. Ah bah oui c'est ça là pour le dernier. Ah, d'accord, on peut que tourner le. Oh la vache. Attendez, c'est complexe là. Là. Oh là là, ah oui d'accord. Oh là, mais c'est chaud. Oh là, non mais sérieux, non. Faites pas, putain, non, monsieur le développeur, putain. Oh non, non. Là, je me dis, putain, Léon, il pouvait pas poser ça dans l'ordre. Ah, c'est sûr que c'est au milieu ce truc là. Mais non, ça va en haut ça. Oh là là, attendez. Ça va au milieu. Oh là là! Putain, on va être sur cette énigme. Oh putain! Attends, attendez. Voilà, là, il est bien placé. J'espère qu'on aura plus à y toucher. Ah mais si, on est obligé pour ça. Oh non, putain, mais... Voilà. Là, maintenant. Putain, mais on est obligé d'y toucher, quoi. C'est relou, ça. Ça, c'est clairement ici. Attendez. Ah, mais non. Mais non, il faut que j'enlève le... J'enlève... Putain, attendez. Oh là là.
putain. J'espère que le genre vaut la chandelle, hein, parce que faire ça... Si c'est pour obtenir une grosse bouse, franchement... Oh putain, mais... Non. Mais putain... Attendez, c'est chaud, là! Ça, c'est sûr que c'est là, c'est obligé. Non, là, franchement... Dire que Léon est con, parce qu'il aurait pu très bien... Voilà. Oui, mais non, ça va pas, en fait. Attendez. Oh lolo. Oh putain, non. Ce genre d'énigme est trop galère, enfin. Capcom. Non, non, mais... C'est bien, parce que ça fait penser aux anciens héros, mais bon. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous avez des énigmes... Comme ça, putain, mais oh. T'as peut-être pensé aux anciens héros, mais peut-être pas non plus... Voilà, quoi. À mon avis, Hooper l'a même pas fait, là, il s'est tombé, je pense. Dès qu'il a pas aimé l'énigme, là, du... Putain. Eh, mais moi, je vous jure, je vais chercher une souris, parce que là, je suis censé finir le live, là. Sauf que le jeu, il veut pas que je finisse, en fait, ce live, donc... Le jeu veut pas que je finisse le live, c'est dingue. Non, mais au pire, je vais chercher une solution, hein, je vous le dis tout de suite, moi. Ce serait con, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, attendez, qu'est-ce que je fais? Je sais même pas, c'est la réinitialiser ou pas? Je sais même pas. Oh là là! Je vois où il faut les emmener, les trucs, mais... Non, attendez, celui-là... Mais c'est pas le bon sens, putain, mais... Comment voulez-vous faire? Lui, il est bien placé, celui-là. Et celui-là, non, en fait. Attendez. Oh, mais là, il est au milieu. Là, on n'est pas loin. Oh, putain. Ça veut dire Léon, putain, tu peux le tourner toi-même le truc là, il fait chier hein. Oh, c'est sûr qu'on est obligé de tourner trois trucs. Putain. Non, je vais faire comme ça en fait. Mais non, mais je peux pas hein. C'est pas possible. Non. Poudu. Bon, je vais... Eh, c'est bon, ça commence à en avoir à le bol. Putain, mais ça le renisaise pas. Oh, putain. Oh, attendez. On peut pas bouger les autres là. C'est bien relou par contre. Putain, là c'est bien chiant. On a vu ce qui reste, putain. L'autre faut que je le mette au milieu en fait. Hein. Le problème c'est que si je le mets au milieu, comment voulez-vous que je bouge les autres trucs sans bouger le milieu? Je peux pas. Si c'est pas possible en fait.
Non, parce que là, il faut que je mette... Putain, on n'est pas loin, hein. Putain, c'est fou, ça. On est tellement pas loin. Attendez, ça, faut que je le mette en haut. Donc. C'est bon, je crois qu'on va l'avoir. Ça y est! Oh putain! Et je suis bien content, j'ai pas été sûr que c'est une Solus. Idole corrompue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a réussi sans Solus. Je suis content. C'est pas... 15 000! 15 000! Ah oui, c'est... pas mal quand même. Ah! Eh ben voilà! J'ai envie de dire que ça fait du bien par où ça passe. Mais attendez, mais là, je peux y retourner ou pas? Soit ouvrier, petit hôtel, trésor, mais c'est par la suite, non? Porte avec un signe. C'est par la suite, on peut y aller maintenant. Ah non, je pense que c'est de l'autre côté, c'est pas de ce côté-là, en fait, qu'on peut y aller. Ah ben oui, je crois que c'est ça, en fait. Ben oui, 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 oui. Attendez, il y avait un trésor là. Oh merde. Mais oui, il y avait un trésor là. Quel boulet. J'ai oublié le trésor. On y va le chercher tout de suite. Je veux pas savoir. Je veux rien entendre. Quel con, on a oublié le trésor. Tant qu'on était dans la petite grotte, on a complètement oublié un trésor. Mais quel con alors que je suis. Voilà, c'est moi le con, hein. C'est pas vous, vous inquiétez pas. Putain. Non mais il est pas question de s'en aller comme ça sans prendre le trésor qui était là-bas quand même. Faut pas déconner. Bon, je suis bien content qu'on ait finalement réussi cette énigme sans Solus, hein. Même si, bon, je pense que j'ai consulté une quand même Solus pour avoir pour noter une solution qui soit plus rapide. Parce que là, quand même, ça va être chiant, je pense. Il y avait un trésor que j'ai pas vu, quoi. Là, honnêtement, je suis bête, j'aurais dû consulter ma carte. Parce que je crois bien pas fait. Donc, du coup, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Bon. Où est ce trésor? C'est bizarre parce que je suis pas trop en hauteur, non? Ah, mais il est en haut le trésor, faut que je monte. Faut que je monte. Bon, on va monter alors. Ah, mais non, attendez, je suis en train de me rendre compte. Là, il le met en haut, je dis que... Ah, mais il est là! Oh putain, le con. Ah, le trésor était sous mon nez! Non, mais sérieusement, quoi. Il était sous mon nez et je l'ai même pas vu, quoi. Non, mais... Là, je suis vraiment con, là. Là, je me rends compte, en fait... Attendez, mais on pouvait pas monter, en fait. Attendez. Est-ce qu'on pouvait monter là, là? Ah, ben oui, on pouvait. Et oui, ah, non, mais attendez. Tout à l'heure, si vous avez vu l'échelle ici, honnêtement, l'énigme, on l'aurait réussi direct, non? Enfin, direct. On aurait déjà eu toutes les réponses, quoi. Enfin, tous les trucs, quoi. Non, mais c'est malin de la part de Capcom, quand même, pour le coup, là. C'est vraiment malin, parce qu'il faut voir... Parce qu'il faut voir, en fait, les... Attendez, c'est quoi ce truc rouge, là, sur la map? Ouais, je sais pas trop, bref. Attendez, c'est pas où, là, déjà. Est-ce que c'est tout droit? Est-ce qu'on est en tout droit, on peut y aller? Comme ça, on peut pas. Attendez, c'est où, déjà? Mince, ben c'est là je crois. C'est ici qu'il faut aller. Non, mais en tout cas ça ira pas du tout là. Il faut aller comment pour faire des... Ça fait penser à un niveau, enfin niveau. À un environnement dans Code Vein, on avait les pieds dans l'eau, quoi. Où je suis parti là? Ah ben si c'est là, attendez. Ben, c'est là où là j'ai... Putain, comment il pleut. Mais what, je suis où là? Attendez, je suis où là? Ah, mais je suis là! Mais quoi? Ah, et là, ça va être bloqué, en fait. Ah ouais, donc c'est un endroit à explorer, cet endroit. Oh, putain, ah ouais, non, mais... C'est quoi, je peux pas, en fait, pas maintenant.
Je veux qu'on soit tranquille. Ouais, mais j'ai pas envie d'explorer maintenant, là, quand même. Il y a une porte là-bas. Non, mais attendez, là. Parce que là, il y a quand même plein de choses, en fait. Porte avec un signe. Mais attendez, on est censé vraiment faire ça maintenant? Je sais pas du tout, là. Je pense pas qu'on était censé faire ça maintenant. Bon, après, c'était d'un chemin internet, il faut qu'on aller là où on doit aller. Ah merde! C'est moins verrouillé. Bah non, on n'est pas censé venir là maintenant alors. Là, il y a un tiroir verrouillé. Donc. On est déjà venu là, non? Attendez. Oh là, je sais plus là. Je me souviens même plus. Est-ce qu'on est déjà venu là? C'est possible. Ah bah oui, c'est possible. Oui, qu'on soit venu là parce que vu qu'elle est trop couverte. Attendez. Attendez, c'est quoi cette grotte? Il y a un trésor au bout. Non, ça m'étonnerait. On n'est pas venu là. Je crois pas non qu'on soit venu là parce que. Journal d'un vieil homme. Il y a 3 ans, ma fille bien-aimée s'est éteinte peu après avoir donné naissance à son fils. Depuis, le petit garçon a bien grandi. C'est un enfant très curieux et avide d'apprendre. Il essaie même de me suivre quand je sors, ça c'est... Je ne peux pas le quitter des yeux un seul instant. À chaque fois que nous marchons dans la forêt, il me demande de lui raconter des histoires. Il adore Don Quichotte. Il est encore petit, mais c'est un garçon très intelligent et observateur pour son âge. Si nous n'étions pas coincés ici, il aurait pu devenir savant. J'ai été imprudent. J'aurais juré avoir tiré dans la tête de ce loup. Et pourtant, il s'est jeté sur moi. J'ai réussi à retourner à la cabane, mais ma plaie a gonflé et a changé de couleur. Je ne supporte pas de voir mon petit-fils inquiet. Mon corps bouge tout seul et j'entends des voix dans ma tête. Est-ce que je deviens fou? Je ne peux pas mourir et abandonner cet enfant. Seigneur, protégez-le. Ok. Bah, il y a autre pierre rouge. Ok. Mais là, je pense qu'on s'arrêtera la prochaine sauvegarde automatique, parce que le truc qu'il y a, c'est que si je retourne tout de suite sauvegarder, voilà, quoi. Là, il y a un tiroir verrouillé. Ah, là, il y a un petit hôtel à côté. D'accord. Donc, le truc qu'il y a, c'est que je sais pas si on était censé venir là maintenant, en fait. Ça se trouve, on était pas du tout censé venir ici maintenant, mais... Voilà, quoi. Attendez. Bon, allez au petit hôtel qui est là. Attendez, mais ça veut dire que cette clé pourrait être vendue derrière. Bracelet de perles, très bien. Voilà. Il faut que j'aille de l'autre côté du coup maintenant. Pas d'ennemis. Oh putain, quel con! Y'a pas d'ennemis, mais y'a un piège. Un piège à gros ours! Attendez, c'est pas par là, mais je fais n'importe quoi. Attendez. Remarquez, on va faire ça, puis on reviendra, c'est pas grave. Allez, on peut passer là, oh là là. Je suis complètement paumé, là, vraiment. Mais bon, il n'y a absolument rien ici, ok. Scarabée rhinocéros? Quoi? C'est un trésor, ce truc? Quoi? On va pas le manger quand même, Léon. C'est pas un objet de soin quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un insecte grave venant. Dans ses eaux non comestibles, il peut toutefois être vendu après. Ah d'accord!
What? C'est une blague. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Un scarabée rhinocéros. Ok, d'accord. Quelque chose me dit qu'il y a peut-être une quête avec lui, parce que vu la rareté de cet insecte. Ce qui est bizarre, ils sont pas dans les. Non, parce que. Il peut être vendu à bon prix. Et que ça m'a l'air d'être un objet. Quelque chose de rare. Ok, là je suis là-dedans. Là je suis perdu, mais c'est un truc de fou. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit en fait ici. C'est quoi cet endroit? Il n'y a rien. Il y a quelques ennemis. J'y comprends rien. Non mais vraiment. Attendez, attendez, on va finir cette direction tant qu'à faire. Autant finir cette direction-là et puis on reviendra après. Là, je suis censé quitter le live, mais sauf que bon, je vais pas vous... Donc, tant qu'il n'y a pas de cigarette, c'est pas grave. Excusez-moi. Voilà, donc on a fait ce côté-là, donc on peut repartir maintenant. Je me répète parce qu'il avait coupé mon micro quand je l'ai dit. Quel gros abruti que je suis. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, il y a une échelle et tout. On y va, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? En plus, a priori, il y a des trucs. Enfin, il y a des trucs. Hein. Donc ça, on l'a fait. C'est là. Attendez, là, il y a quelque chose. Enfin, quelque chose, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose, mais... Un poste de garde... Tiens, je suis déjà venu là, que pour qu'il y ait une caisse qui soit détruite, j'ai dû déjà venir là avant. C'est un petit peu curieux ça. Cette porte, par contre, j'avais pas pu l'ouvrir avant. Est-ce que cette clé, elle convient? Oui, elle convient. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un trésor, quelque chose? Un trésor, peut-être pas, parce qu'il n'y a pas... Oh là, il y a un objectif là, c'est marrant. Pêche au gros, vendre un bass géant. Faut-il m'attraper le poisson gigantesque qui vit dans le lac? L'huile de poisson de nombreuses utilisations après tout. Cette photo devrait vous aider à trouver. Un bass géant. Moi, c'est que des basses traditionnelles, j'ai pas de bass géant moi. Il faut un bass géant. Attendez, mais comment voulez-vous trouver? Oh là, attendez. Ah, une cinématique. Attendez, je pense que je peux parler parce qu'il ne va pas se passer grand-chose. Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se Voilà, donc on continue. Oh là là. Attendez, c'est quoi ce moment? What? Une petite... Ah, ben voilà, pour ouvrir le tiroir verrouillé. Parfait. Voilà, il semble qu'il n'y ait rien d'autre ici. Oh non, une plante verte. Là, il faut absolument que j'achope. Je peux pas me permettre de la laisser. Ah, bah attendez. On va faire... Je fais n'importe quoi. Ah bah attendez, on va faire les soupirs, tout simplement. Ah merde, c'est pas suffisant. Et voilà. Il n'y a pas de trésor là, ici. Non, il n'y en a pas. Là, juste là, ici. Bon, voilà, après... Voilà, bon, on va repartir. Putain, je suis censé finir ce live, mais le problème, c'est que... Putain, pourquoi j'ai découvert cet endroit maintenant? Ah, une sauvegarde d'auto, ouais, mais...
Je me dis, il nous reste tellement peu. Ici, de toute façon, il ne reste qu'à prendre le trésor et partir. Donc, je me dis. Non, allez, on va prendre le trésor, on va s'en aller parce qu'on va pas. Ah, oh non! Oh non! Oh putain, non! Oh non! Attendez. Au pire, si je peux l'avoir avec ça, je vais le faire. Et voilà. J'ai préféré faire ça parce que bon. J'ai aucune envie de combattre ça là. Oh non, il y en a d'autres. Oh non, putain. Ok, je crois qu'on va plutôt se laisser là en fait. Parce que là. Oh là 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 là. Il y a quoi là-dedans? Je crois qu'on va se laisser parce que finalement on prend la suite. Barre d'or. Ok. Ah, les chiens ils viennent pas là. Mais. Ah, ok, d'accord. Oh putain. On est petit. Bon, ce qu'on va faire, on va se laisser là, remarquez. Il y avait une sauvegarde d'état juste. Une sauvegarde d'état, une sauvegarde d'auto juste là. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va se laisser là. On va se laisser là et bon, voilà. On va quitter, on va pas continuer maintenant. Voilà, ok. Bon, on aurait bien avancé quand même aujourd'hui. Au final, le combat contre le monstre du lac, le El Legado, je crois. Oh, on a fait deux trucs. Ronger de l'intérieur. Finir le chapitre 3. Et bien, elle interdit de vaincre Del Lago. Ok. Donc voilà. Donc le fait d'avoir vaincu Del Lago. Bah, je suis content parce que je pensais qu'il allait être beaucoup plus dur, mais en fait, non. Par contre, au niveau professionnel, oui, j'ai peur. Hein. J'ai peur pour le niveau professionnel. Là, j'en ai peur, là, vraiment. Après, peut-être qu'il y aura des items que je pourrais obtenir pour augmenter. Je sais pas, moi. Je sais pas, pour peut-être m'avantager là-dedans, j'en sais rien, mais. Je parle d'items qu'on aura. Via le temps de tir, hein. Voilà. Mais enfin bref. En tout cas, on a bien avancé aujourd'hui, voilà. Donc je remercie les personnes qui sont passées sur le live Twitch sans se manifester sur le chat. Je vous remercie à vous qui ont regardé cette rediffusion, que ce soit en première diffusion, je remercie les personnes qui passeront sur la première diffusion sans se manifester sur le chat. Bah si moi malheureusement sur la première diffusion je n'y suis pas, malheureusement. Donc voilà, parce que généralement je mets les points de diffusion quand je suis trop occupé à autre chose en fait. C'est-à-dire quand je peux pas, quand je ne peux pas, quand je suis pas disponible pour faire un live. Enfin, c'est pas quand je suis pas disponible pour faire un live, mais c'est surtout qu'en fait, quand je mets la point de diffusion, je la mets sur toi à des moments où je peux pas de toute façon être présent. Voilà. Mais je vous remercie vous qui étiez donc là sur le live, sans m'inviter sur le chat, même si je crois pas qu'il y ait qui que ce soit. Je remercie à vous qui regarderez cette vidéo en rediffusion sur YouTube. Et je remercie à vous qui serez passé sur la première diffusion sans m'inviter sur le chat également. Et je vous remercie à vous qui avez donné cette rediffusion tout court, sans être sur la première diffusion. Et je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Un ciao, bonsoir.